Alors, le puits est pas très profond. Là, je sens quelque chose qui s'aimante, mais vraiment léger. Et je pense que ça doit être bloqué par des cailloux ou quelque chose. Là, ça vient de bloquer. Alors, j'ai un morceau de ferraille. Je vois pas bien ce que c'est. Il va falloir que je fasse le tour. Je tire un bon coup. Ah, il bouge pas cet enfoiré. Ah. Et ben on a la vieille tenaille de grand-père. Du coup, après 30-40 minutes de lancer, donc pas mal de jetés d'aimants, j'ai sorti que cette vieille tenaille. Ça m'a donné l'idée de la restaurer, donc vous la verrez prochainement sur une prochaine vidéo. Alors là, j'ai quelque chose qui s'aimante au fond. J'ai bien quelque chose qui s'aimante. Ça m'attire l'aimant. Mais je sens rien au bout de la corde. Et si. Et on a une barre de fer. Voilà, j'ai bien quelque chose qui s'aimante. Une deuxième tenaille. Par contre, vous voyez, j'ai les mains pleines de vase, c'est un peu dégueu, ça pue. Mais bon, c'est les joies de la pêche à l'aimant. On va le mettre avec les deux barres. Et puis, on va continuer. Donc, j'ai aussi des vis. Pas mal de merdouilles. Je vais quand même mettre ça sert plus à rien que je mette mes gants maintenant parce que ils vont être aussi sales à l'intérieur qu'à l'extérieur. Heureusement, je suis vacciné contre le tétanos. Allez.
Comme vous le voyez, c'est un puits qui est assez dangereux. Il est à même le sol, perdu au milieu de la forêt. Même s'il est vite fait sécurisé, ça a été fait il y a longtemps. Donc quand vous faites ce genre de puits, faites attention à ce que quelqu'un sache où vous êtes. Ça, c'est super important. On va essayer, on va voir ce qu'il y a dans celui-là. S'il nous cache des choses ou pas.